Salut les Fishers! Salut les potes! Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va faire du jardinage. Aujourd'hui, nouvelle vidéo les potes et vous allez certainement kiffer. Ah, ils vont kiffer. Parce qu'on est dans un endroit hyper sauvage, voilà. Nous avons le lac qui est juste derrière. Il est que pour nous. Derrière, on a le chalet. On montrera ça sur les prises de vue. On va vous en parler tout le long de la vidéo. De où est-ce qu'on est, etc. Voilà, on remercie, c'est un endroit privé, donc le propriétaire. Voilà. On va vous expliquer un petit peu durant la vidéo, comme je disais, voilà, petit à petit, on va un petit peu vous faire kiffer aussi. Vous allez voir les prises de vue de drones, c'est vraiment magnifique. On est perdu, les gars, on est dépaysé total. Il y a du poisson, il y a de la grosse carpe, donc on a pris ce qu'il fallait. Avant que la vidéo commence, on met le pouce bleu et on active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Voilà, pour ne rater aucune vidéo, puis vous garantir cette vidéo, vous allez la surkiffer vraiment. Vous allez adorer. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Facebook aussi, sur la page Rotofish à chaque fois que vous allez y aller. Puis voilà, il y a pas mal de photos derrière, il y aura des photos d'ici. Le making of. Ouais, voilà, tout ce qui se passe derrière, ce qu'on ne met pas forcément sur YouTube, des petites photos. Mais on va préparer les cannes et puis tout le matériel qu'il nous faut pour pêcher. Et on va vous montrer la maison que j'ai construite de mes mains, les gars, de mes mains, je l'ai construite. Il n'y a pas le caribou par là. Bref, nous on vous dit bonne vidéo. Voilà, bonne vidéo, profitez un maximum et exposez-moi cette barre de pouce bleu parce qu'elle mérite cette vidéo. Bon voilà les potes, on va vous faire le tour du chalet. Ouais, on va vous faire visiter tout ça. Vous avez vu cette tuerie et ça a été fait par le propriétaire à la main. À la main. Franchement gros merci à lui. Il a des mains en or, sincèrement. Voilà. On va vous montrer ça de suite, vous allez kiffer je pense. Allez, moi je passe derrière la caméra. Bien. Allez, présente-nous la maison. Alors nous rentrons. Ici, vous avez le salon, salle à manger, on peut même y dormir. Regardez-moi ça. Vous avez des clic-clacs. Donc tout a été fait. Avec les arbres qu'il y avait ici, donc c'était du Douglas. Donc du coup les arbres, voilà, ils ont été recyclés, ils ont été montés comme ça, vous avez vu ce tuyau. Donc là nous avons deux canapés clic-clac. Donc il y a tout confort, électricité, il y a l'eau, les toilettes, mais ça vous verrez. Voilà, table, il y a combien de places? Il y a 5, 6, 8. 7, 8 maintenant. La télévision. La télé. On a la télé les potes. Regardez-moi ça. Et ensuite de ce côté, la cuisine. Nous avons la cuisine, regardez-moi. Donc quartier Senseo qui fournit bien sûr, qui est là. La voilà, poubelle, normal. Ensuite nous avons la cuisine, là où madame va cuisiner, là. Madame elle va cuisiner là. Avec la hotte et tout. Voilà, il faut savoir que ouais, le chalet est pourvu de clim, donc voilà. D'ailleurs il faut mettre des trucs dedans. La salle de bain, vous allez kiffer. Regardez-moi ça. Ah, je vous montre, je recule un peu. Regardez-moi cette douche. C'est pas beau tout ça. Nous avons le miroir. Coucou. Il y a les potes. Donc voilà. Et là, regardez la pièce que je me mets au fond de la cuisine. Voilà. C'est grand. Hein. Regardez comment c'est grand. C'est magnifique. Donc voilà. Nous avons la terrasse couverte, les amis. Avec banquette, des chaises, etc. Donc franchement, ouais, c'est tout est en bois. C'est fait avec du bois d'ici. Il faut savoir que les piliers sont faits, eux, avec les acacias d'ici. Est-ce que vous kiffez pas les potes, sérieusement? Attendez, on a le lac pour nous tout seuls. Voilà, tout le lac, voilà, c'est à nous avec le chalet, etc. Et donc voilà, on a tout ça. C'est pas beau tout ça? Voilà, on vous a fait faire un petit peu le tour du propriétaire. Et franchement, donc quand on vient ici, vous avez le chalet, il y a tout confort, douche, il y a tout le confort d'une maison. Le lac, il est que à vous, à celui qui va louer. Et bien vous savez quoi les potes, vous avez vu? Voilà, tout appartient voilà, à la zone de location, donc c'est-à-dire que le lac est à vous, je le redis encore une fois, terrasse, enfin bref, vous êtes isolé, voilà, le propriétaire, il ne va pas venir, vous êtes ici chez vous, entre guillemets, une fois que vous avez loué, vous pouvez, voilà, vraiment le louer, les potes. Donc n'hésitez surtout pas, on vous met le lien
de son numéro de téléphone, c'est lui qui nous a demandé de le mettre. Mais je pense qu'il y a moyen de se faire un petit tarif pour ceux qui viendraient de la part de Road to Fish. Allez, vas-y, on leur dit le prix. Allez, combien? 130 euros. 130 euros la nuit, tout ça. Ça vaut plus que le coup parce que franchement, c'est atypique. Donc voilà, pour ceux qui veulent rechercher un petit peu un endroit atypique, des endroits un petit peu insolites pour dormir, pour ceux qui veulent, voilà, qui font un petit peu, pour ceux qui veulent voyager, voilà, qui partent des fois en camping-car ou quoi et qui veulent se poser sur des endroits pour découvrir la France. Ben, ils peuvent venir tranquillement, même sans pêcher. Bref, allez, nous on continue parce qu'on est en train de bader et je vous dis, on bade. Bon, tu vas faire manger, madame? Ah oui, je vais faire cuire les saucisses. Oui. Et mettre dans la salade. D'accord. Ouais. Et dépêche-toi un peu. C'est bon. Parce que papa, il a faim. On peut faire des pâtes aussi. Ah oui. Et tu te dépêches. Pardon. Parce que papa, il a faim. Oui, bien sûr. Mais tu vas le faire tout seul, voilà. Bon, je m'en fous, hein. Je fais la cuisine. Voilà. Ah, donc les cannes sont au fond là-bas. Et on attend la touche. Hein. Ah ouais? Ah, t'as une touche à gauche. Bien, ça fasse bouger les deux. C'est la sensibilité, je pense. Allez, madame cuisine. C'est cramé. Ah d'accord, ouais. Cuisine, c'est quoi cette cuisine de merde là? Ça te fait rire? C'est cramé. Ouais, non mais sérieux. C'est cramé. Attends, je vais te mettre le petit feu, mais il manque le petit feu. Voilà les potes. Bon appétit! Bon appétit! Voilà, petit repas du soir, on est devant la télévision. Je vous dis, il y a tout ici, tout de ouf. La télé, on est posé, table. Eh, franchement, c'est pas le confort du carpiste, c'est ça? Là, il n'y a pas le bivy rien. Hein. Tu peux expliquer ce que tu fais avec l'aspirateur? J'ai aspiré le frelon. Ah, madame a aspiré le frelon. Voilà. Il est. Quelle heure il est là-bas? 11h moins 20. Madame a aspiré le frelon. D'accord. Bon, mais nous on a eu un bip là, une petite touche, donc on a été voir, le curé avait sauté. Ah là là, on est rendu à ça, sérieux. Bon, ben c'est le matin, on vient de relever la canne de monsieur et regardez ce qui se passe. Donc voilà, comme je vous avais dit hier soir, voilà, il y avait eu un départ. Donc il y a eu un bip, ça avait fait sauter les curés, etc. Mmh. Donc je pense que oui, il y avait eu un départ. Et en fait, oui, il y a eu un méchant départ, tellement méchant que. Ouais. Je sais pas si vous voyez, l'hameçon est pété. Voilà. L'hameçon est cassé. Ah. Donc voilà, l'hameçon il s'est cassé en deux. Voilà. Donc j'ai bien eu un départ avec les Dinspi, c'est une pop-up, un dumbbell. Donc un gros méchant départ en fait finalement, parce que ça m'a cassé l'hameçon. Donc ça a bien tiré dessus. We'll be right back.
champignons, madame. Il y a du cèpe là. Et voilà, ça sent la fin. On a bientôt fini. Il va falloir qu'on parte. Rana est en train de nettoyer. Un peu comme Chita. Tu nettoies ? Hein ? Tu nettoies ? Ouais, je fais le ménage. Tu me fais le ménage ? Je fais le ménage. Tu sais bien ? Je fais ça bien, c'est bien. Ouais. Je monte les chaises et tout. C'est propre tout ça. Maintenant, j'habite là. Ah, t'habites là ? Ouais. Bah, je sais pas si vous pouvez être d'accord, mais demandez. Ah, oui. Bon les potes, voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, de ce week-end. Et voilà, c'est fini, voilà. Déjà. Hélas, on a quand même bien kiffé, on a passé une bonne nuit aussi. Hein. Ouais, nickel. En même temps, avec un hameçon cassé, je pouvais passer qu'une bonne nuit. Enfin, bref, voilà, on a eu un capot. Voilà, désolé de ne pas vous avoir montré du poisson. Mais bon, le cadre est magnifique. C'est la pêche, quoi. Vous avez vu le lac qui est juste derrière, voilà. Ah, ouais, c'est joli. Hein. Ouais, il y a du poisson à faire aussi. Il y a pas mal de poisson blanc, de la carpe, voilà, malgré que... Bah, je n'ai pas pu sortir une. Une nuit, c'est très court finalement. Et j'ai même pas eu une touche, moi. Ouais, alors, ma canne a été cassée, donc finalement, l'hameçon a été cassée, donc j'ai pas pu vous montrer grand chose. En attendant, j'espère qu'on vous a diverti comme d'habitude, que vous avez kiffé ce lieu. Voilà, donc comme je vous rappelle, si vous voulez venir sur ce lieu, vous pouvez, mais vraiment vous pouvez. Vous avez le numéro de téléphone en description, donc n'hésitez surtout pas à vous renseigner pour un lieu comme ça où tout est à vous, le cabanon. Le calme. Tout confort, le lac, le calme, vraiment, tout est à vous. On dirait une maison secondaire. Voilà, pour l'instant d'une nuit ou plusieurs nuits, c'est comme vous voulez, c'est vous qui voyez. Bref, en tout cas, on vous dit à une prochaine vidéo, les potes, portez-vous bien, prenez soin de vous, de toute votre famille et de votre entourage, des poissons, sortez pêcher. De la nature aussi, on prend soin de la nature à fond. Et une prochaine vidéo, ciao, à plus. Salut. T'es contente? Tu veux une médaille?